Yo tout le monde, la vidéo aujourd'hui, vidéo information sur le jeu Black Clover. On a eu pas mal de gameplay, etc. Vraiment les gars, ça donne vraiment envie. Moi j'ai regardé tout ça en off et ouais les gars, j'ai envie de jouer. Dans pas longtemps, normalement, il y a une bêta. J'espère que je vais être pris pour faire des vidéos. Sinon, au pire, je demanderai à ma communauté s'ils ont un compte. Vous connaissez les bails. Donc ouais les amis, on a eu énormément de gameplay, même les invocations, etc. Vous savez quoi les amis, on va commencer par le côté invocation, c'est quelque chose de très important. Le taux de drop le voici, donc a priori à gauche c'est les persos et à droite c'est les skills. Donc a priori t'as des skills à dropper, je comprends pas trop. Le taux de drop en fait, t'auras des portails où en gros t'as des personnages qui sont augmentés et tu peux voir une différence de taré. Par exemple là il y a Yami et Vengeance, je sais pas si je l'ai bien dit, je crois que j'ai mal dit, bon c'est pas grave. Qui sont à 0,75 chacun et en dessous t'as d'autres persos. Qui sont pas un taux augmenté, là tu vois que vraiment quand c'est pas un taux augmenté les gars ça fait peur. Et les skills après c'est en dessous il me semble parce que là c'est marqué SSR. Je pense que c'est du 0,5 un truc comme ça pour chaque skill season 0,3 peut-être 0,4. Ouais je sais pas mais en tout cas du 2,5 de taux de drop SSR, 0,75 pour les personnes en vedette entre guillemets, enfin taux augmenté, vous avez compris, c'est pas mal. Après le truc c'est que je ne sais pas s'il y a des pitis. Je sais pas s'il y a des pitis. Peut-être, je sais pas, mais s'il n'y a pas de pitis en vrai les gars. Ouais, je sais pas. Je sais pas les gars. Là il manque des informations. Donc je vais pas me prononcer sur la pitié, etc. Parce que bon c'est bon en fait, hein, tout simplement. Après les animations d'invocation. Les voici les amis. À part le début que je trouve pas non plus dingo, honnêtement les gars. Regardez le début. Je sais pas le début. Enfin, je trouve ça bien, tu vois ici. Ça, c'est bizarre. Hein. Enfin, je pense que ça fait un autre jeu. Je sais pas, c'est bizarre en fait. Ça, j'aime bien. Tu vois, à partir de là, après, c'est ultra bien fait. Et donc, ça, c'est une compétence. Oh, l'animation, elle est vraiment bien faite. Hein. On va mettre un peu de son, ouais. Ok, donc ça c'est des compétences si je comprends bien. C'est quoi ça un perso? Oh. Pour un R les gars, en plus on a les stats. 80 d'attaque, ok, HP, donc là t'as tous les skills. Ah c'est vraiment bien fait par contre hein, les gars. Hein. Là quand tu drops un perso en fait tu t'en rends compte que. Je t'ai une animation avec tous les... avec toutes les... C'est pas des divisions, mais c'est... je sais plus comment ça s'appelle dans Black Clover. J'ai totalement oublié, les gars. Ok. Et le SSR, il arrive quand? SR, ok. Ok, il y a une phrase. Oh. Un petit capitaine. Oh, les stats. Oh, les stats des SSR, frérot. La différence. Après, c'est normal, hein. C'est un SSR. Mais sinon, ouais, les gars, j'aime bien l'animation. Hein. Vraiment, je kiffe. Hein. Bon, toi, t'es nul. Ok. Vraiment les gars c'est ultra intéressant pour le micro, j'ai l'impression qu'il est un peu trop bas bon. Ok. Ouais. Donc là il y a des. Il y a Yuno et Asta limités. Donc ça c'est les personnages limités. Donc là avec une forme en gros écolier, etc. Et là je sais pas c'est quoi la forme. En fait ça me fait peur les personnages limités. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la plupart des jeux, des gachas, quand il y a des personnages limités, c'est des personnages ultra forts, tu vois. Donc j'espère que. Ouais. Ça c'est le tutoriel. Ok, en vrai j'ai pas me spoil le tuton, vous savez quoi les gars. Donc là vous avez, ça c'est cool, vous pouvez tester vos personnages je crois avant d'invoquer. Donc tu vois, par exemple tu veux tester un skill, tu te poses une question toute simple. Ça c'est vraiment excellent, pourquoi? Parce que avant d'invoquer tu te dis, est-ce que ce skill touche tous les ennemis ou deux ennemis par exemple tu vois. Tu vois là il y a 4 ennemis, on va voir. Donc là c'est mono-cible tu vois, tu vises le pélo. Donc là il montre, donc c'est en japonais les gars malheureusement. Donc là ça va toucher deux ennemis a priori, c'est marqué. C'est en Nao. Ah non ça c'est Nao, ça touche tout le monde. Donc là il va mettre l'aspect. Tu vois l'aspect? Ah ouais par contre frérot. Oh c'est magnifique là. What the fuck? Ah oui. Wesh. Ah vas-y le jeu me hype trop les gars. Wesh. Asta, fais voir, j'ai pas vu Asta. Oh là 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 là. Oh combien il est trop. En vrai.
Le jeu, les gars, il est tellement quali, les gars. Oh, je vous jure. Oh, ce jeu, je vais... Ah, en vrai, ils ont fait du bon taf, hein. Ok, lui, c'est full mono-cible. Il a mis un malus sur un ennemi. Et voilà l'aspect, du coup. Oh, loulou. C'est mono-cible ou ouais. Je pense que c'est mono-cible. Oh, mono-cible. Ah, pour les gars, les spé, ils ont mis le paquet, hein. Je vous jure, c'est incroyable, hein. Mimosa, on va voir, les gars. Je pense que c'est une healeuse, ouais, un heal. Ça va. Ok, le lifestyle du vampirisme. Why not? Ça met un malus à tout le monde, ça, non? Attends. Ok, non. Bon, les gars, je skip un peu parce que Mimosa, à part l'ultimate qui me hype, le reste, flemme. Ok. Attends, ça va heal toute ta team et ça va mettre un malus en face. Oh là là. Oh, frérot. Oh, c'est incroyable. Ok, non, ça heal ta team, ça met aussi des bonus. Ah, c'est fort, hein. Je pense qu'elle avait cheaté au début du jeu, les gars. Ok. Ok, ok. Après, on a eu des combats. Ils sont où, les combats? Ok, attendez, les gars. Donc là, gameplay. Merci à Kaku d'avoir partagé. Hop. Ah, le gameplay aussi, il donne envie, hein. En fait, c'est un gameplay, ouais, c'est tranquille, quoi, hein. En fait, il y a des combos à faire, etc. J'aime bien, franchement, les gars, j'aime bien même les animations. Ah, il me donne envie le jeu, hein. Vraiment, les gars, il me donne vraiment envie. Ok. Bon, Yami, il met une attaque, frérot. Critical. Ok. Oh, il fait mal le mec en face. Ça, c'est à la fin quand tu gagnes. Ok, les gars. Ok, ok, bah vraiment, les amis. Bah, je suis hypé par le jeu, hein, honnêtement, les gars. Il me donne vraiment envie de. Bah, ça me donne envie d'y jouer, hein, tout simplement, les gars. Hein. Ah, vraiment, je sais pas, c'est bien fait, c'est beau. Enfin, un jeu Black Clover respecté, quoi, parce que bon. On se rappelle du jeu Black Clover, je sais plus c'était quoi le nom là, le jeu Bendai. Bon, Bendai les gars, hein, lol. Bendai, hein, c'est un peu nul maintenant les jeux Bendai. Donc ouais, on verra tout ça. Bêta dans pas longtemps, j'espère que je vais recevoir le petit mail. On pourra faire des lives dessus les gars, même des vidéos. Hein. Je pense qu'il y a moyen de faire des dingueries. Et encore les gars, là c'est juste le côté PvE. Hein. Le PvP on n'a pas vu, après j'espère que le PvP ça sera équilibré. Bon, après, on espère des trucs, les gars, tranquille, le jeu est pas encore sorti, on est déjà en mode PVP, est-ce que c'est équilibré, blablabla. On verra le moment venu. Ok, merci d'avoir regardé, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. Des bisous. Tchuss !